Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est tuile de parmesan. Tuile de parmesan, c'est un jeu d'enfant. Vous prenez du parmesan râpé, que vous faites râper par votre fromager, que vous râpez vous-même. Et on va faire des petits tas sur une feuille de papier sulfurisé que vous aurez disposée sur une plaque de four. Il faut bien les aplatir. Il faut presque qu'on voit à travers. Parce que si vous faites quelque chose de trop gros, ça ne va pas. Trop épais, ça ne va pas. Voilà. Donc je fais mes petits tas. Entre-temps, je fais chauffer mon four à 160 degrés. Et on les fera cuire dans ce four pendant 3-4 minutes et on regarde. Il ne faut surtout pas qu'elles deviennent marron. Il ne faut pas trop les faire cuire. Voilà le secret. Comme je vous disais, il faut les aplatir, qu'on voit presque à travers. Ça fait comme une dentelle. Ok, trou. C'est tout un art. Hein. Quelle recette difficile. C'est très difficile. Et après, j'aurais plus qu'à les faire cuire. Je n'aurais pas laissé beaucoup de place à ces petites là au fond, ça ne fait rien. Ce savon. Voilà, ça tiendra chaud dans le four. Et maintenant, au four à 160 degrés. Mon four est chaud. On passe à la cuisson. Alors maintenant que mes tuiles ont refroidi, je vais les décoller. Elles se décollent très facilement, vous voyez. Et vous les disposez sur le côté brillant. Vous pouvez servir ça avec un petit tartare de viande, de bœuf, de veau, de canard, un tartare de poisson. À l'apéritif. À l'apéritif aussi. Alors, voilà mes petites tuiles qui sont prêtes à être dégustées. Et je vais en déguster une pour voir si c'est réussi. Oups, ça m'échappe. Elles sont tellement fines. Ça croustille. C'est délicieux. À vous maintenant. Vous allez régaler vos amis. À bientôt.